Autant il y a de représentations de Jésus, autant il y a de conceptions différentes de qui il est vraiment. À travers tout ce fouillis, qui est le vrai Jésus? Mesdames, Messieurs, bonjour et re-bienvenue à l'émission L'heure de la bonne nouvelle. Il nous fait plaisir de vous retrouver à nouveau aujourd'hui, alors que nous allons poursuivre notre aventure qui nous permet de découvrir le vrai Jésus. Et aujourd'hui, nous allons aborder un aspect vraiment très peu connu de sa personne qu'on a décidé d'appeler l'incontournable Jésus. Et pour ce faire, j'ai avec moi, bien sûr, mes collègues Gaston Jolin. Salut, Gaston. Salut, Jean-Pierre. Ça va bien? Oui, ça va très, très bien, en pleine forme. Oui, de bonne humeur? Oui, même très de bonne humeur. Bon. Et il y a François également qui est avec nous. Bonjour, François. Salut, Jean-Pierre. Il est de bonne humeur aussi. Bon, il est de bonne humeur. François, lorsqu'on parle de Jésus l'incontournable, c'est un peu mystérieux, là, je présume, pour les gens qui nous écoutent. Qu'est-ce qu'on veut vraiment dire? Bon, bien, on veut essayer de démystifier quelque chose là, concernant le Seigneur Jésus, mais c'est tellement une grande vérité que c'est important de connaître. C'est un peu comme quand on va au médecin. Avant de connaître la solution, c'est important de connaître le problème. Et l'incontournable Jésus, on va juste introduire un peu cet aspect du Seigneur Jésus qui va nous mettre en contexte pour justement présenter ce que le Seigneur Jésus est vraiment venu faire, compte tenu qu'il est incontournable. La première chose qu'il faut dire à propos du fait que Jésus est incontournable, c'est que la Bible dit que c'est à lui qu'un jour, chaque être humain ayant vécu sur cette terre devra rendre compte. Et ça, c'est pas populaire et c'est difficile même à comprendre et à réaliser, mais c'est bien le langage de la Bible, on va le voir ensemble. Et nous voulons démontrer donc aujourd'hui cet aspect-là du Seigneur Jésus. Le Christ, le Seigneur Jésus, la Bible dit qu'il est le Fils de Dieu, Dieu fait homme, et le Seigneur Jésus n'est plus dans son berceau. Le Seigneur Jésus n'est plus non plus sur la croix, et encore moins dans son tombeau. Et ça, ça nous donne déjà une bonne idée de qui il est et de où il est maintenant. Non, le Jésus de la Bible n'est pas le petit Jésus que souvent les enfants prient le soir avant d'aller au lit. Nous voulons vous dire que le Jésus des Écritures ne peut pas laisser passer ces choses-là. On ne peut pas s'en sortir. On devra un jour rendre compte. Le Seigneur ne laisse pas passer. C'est dommage parce que la religion, en général, nous a présenté un Jésus qui, en fait, est tout à fait défiguré. Il n'est plus le Jésus que les Écritures nous présentent. Il est devenu, à cet égard, tout à fait méconnaissable. Que penser, par exemple, de ces jurons que l'on fait et qu'on prend le nom de Dieu, le nom de Jésus-Christ, pour le tourner en ridicule? Il n'y a rien qu'on n'a pas fait. L'humour québécois, ces derniers temps, nous manifeste une telle irrévérence devant ces choses-là. Ça nous manifeste... Il ne faut pas penser que Dieu va laisser ça. Et il y a un texte de l'Ancien Testament qui dit simplement ceci, « Parce qu'une sentence contre les mauvaises actions ne s'exécute pas promptement, le cœur des fils de l'homme se remplit en eux du désir de faire le mal. » Donc, il y a comme une permission qui semble être une permission, mais qui n'en est point une. En réalité, ce n'est pas parce que le jugement est différé qu'il n'aura pas lieu. C'est cet espace-là. C'est ça. Sauf que dans notre esprit, souvent, on pense, bof, ça va bien aller, on va s'enclairer parce que ça n'arrive pas. Mais ça va arriver. Et, chers amis, la transformation qu'on en a fait est telle que celui qu'on a maintenant est, en fait, c'est comme si on peut dire, un faux Jésus. La Bible dit que Dieu a fait l'homme à son image, mais on pourrait aussi dire, sans se tromper, que l'homme s'est fait un Dieu à son image, à lui. Et ça, ce n'est pas le Dieu des Écritures, ce n'est pas le Jésus des Écritures. Et j'aimerais simplement qu'on lise maintenant deux textes de la parole de Dieu. Dans le livre des Actes, au chapitre 10e et au verset 42, on lit ceci. « Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. » Un peu plus loin, dans le même livre, au chapitre 17, verset 30, on lit ceci. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils ont à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Jean-Pierre, il y a deux choses qui peuvent arriver. Où on va rencontrer ce Jésus qui est incontournable comme notre juge,
ou bien on va le rencontrer d'une autre manière qu'on va écouter dans quelques instants. Parce que le vrai Jésus, il est vraiment incontournable. C'est ce dont nous allons vous parler après ceci. Vous aimeriez approfondir les réflexions proposées dans cette émission? L'Heure de la Bonne Nouvelle vous offre gratuitement un exemplaire du Nouveau Testament, Bonne Nouvelle aujourd'hui, ainsi que le livre « Si Dieu existe » de Wolfgang Buhl. En plus, un calendrier de réflexion quotidienne. Pour recevoir le tout, écrivez-nous et faites-nous part de vos commentaires. L'Heure de la Bonne Nouvelle, casier postal 1054, Sherbrooke, J1H5L3. Eh bien oui, comme on vient de vous le dire, avec Jésus, finalement, on ne s'en sort pas. S'il n'est pas notre sauveur dans cette vie, eh bien, il sera notre juge dans l'autre. Car vous savez, la mort, ce n'est pas la fin de l'existence. Au contraire, la Bible dit que c'est le début de l'aspect éternel de l'existence. Et dans l'une et l'autre de ces vies-là, on a affaire à Jésus. Si on refuse de le rencontrer dans cette vie présente, à travers sa parole et d'établir avec lui une relation par la foi, eh bien, de l'autre côté, on va avoir affaire à lui, mais cette fois-ci, il ne sera plus un sauveur, mais un juge. Et c'est ça qui est malheureux et qui est terrible et que la Bible nous dit de nous mettre en garde. La Bible dit « Prépare-toi à rencontrer ton Dieu ». Donc ça, c'est un verset qui rappelle que l'homme devrait être sage et réaliser que tôt ou tard, il va avoir affaire à lui. Mais ce qui est le plus merveilleux, ce qui est le plus extraordinaire concernant Jésus, quand on parle du fait qu'il est le juge suprême de l'univers, c'est qu'il a lui-même, et ça, c'est quelque chose qui, comme la Bible le dit, qui n'était même pas monté au cœur de l'homme. Jamais l'homme aurait pu imaginer une telle chose. Jésus a lui-même, en tant que juge, accepté de subir la condamnation des coupables que nous sommes tous. La Bible l'affirme à plusieurs reprises. La Bible affirme que Jésus, il est le seul juste qui a jamais passé sur la terre. Jamais, jamais, jamais un autre homme qui a vécu sur la terre a vécu une vie juste, parfaite et sainte. Seul le Seigneur Jésus l'a fait. Il est appelé d'ailleurs le juste. Et ce juste-là, qu'est-ce qu'il a fait? Par amour pour moi, par amour pour vous, par amour pour nous les injustes, il a accepté de payer la dette de notre culpabilité, la dette de notre péché. Lui, le juste, a accepté de prendre notre culpabilité et de mourir sur la croix du calvaire pour être condamné par Dieu, le juge, afin que nous puissions être libérés de cette condamnation qui pesait sur nous. C'est le cœur même de l'Évangile. Et j'aimerais qu'on puisse lire ensemble dans la première lettre de Pierre. L'apôtre Pierre a mis cette pensée justement dans sa première lettre ici, au chapitre 2 et au verset 24, lorsqu'il parle de Jésus disant « Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois ». Pierre dit que Jésus a porté en son corps, sur le bois, donc ici les questions de la croix du calvaire, il a porté nos péchés. Imaginez-vous, lui le juste, lui le saint, s'est chargé de nos iniquités, il a pris tous mes propres péchés à moi, ont été déversés sur lui, et là sur la croix, il a accepté de subir le châtiment que je devais avoir, lui l'a accepté, lui le juste pour moi l'injuste. C'est ce que Pierre nous dit, et c'est extraordinaire. Quand on vient à Jésus à la croix, il se passe comme un transfert en réalité. La justice de Dieu, la justice de Jésus vient sur moi et mon iniquité va sur lui. Alors moi, je m'en vais libre, libéré. Et c'est pourquoi on chante des fois, vous avez entendu nos cantiques à l'émission, « Libéré par le sang de l'agneau », c'est ce que ça veut dire. Sa mort, à ma place, me permet d'avoir la vie éternelle. Et si vous avez remarqué dans Pierre, Pierre nous dit « Il a porté lui-même nos péchés ». Ce sont nos péchés qui ont recouvert Jésus à la croix. Quand on y pense, n'est-ce pas incroyable, n'est-ce pas extraordinaire, le juge qui prend la condamnation du coupable, le juge qui prend sur lui le jugement de tous les croyants, ce juge qui a eu les mains et les pieds percés à cause des péchés des coupables, un juge qui subit la condamnation du coupable, voilà la révélation de Jésus à la croix. Et ça, mes amis, c'est le cœur de l'Évangile. C'est pourquoi l'Évangile a un sens dans la vie des croyants. Vous savez, les croyants ne sont pas nécessairement des gens religieux, comme on l'entend habituellement, mais ce sont des gens qui ont réalisé qu'ils l'ont échappé belle, qui ont réalisé qu'ils étaient destinés à la mort éternelle, qu'ils étaient destinés à l'enfer, qu'ils étaient destinés au châtiment de Dieu. Mais Dieu leur a ouvert les yeux sur un fait vraiment extraordinaire, c'est qu'il a envoyé son Fils prendre notre place à la croix. Et vous savez ceci, c'est la Bible qui nous révèle cela.
La Bible révèle l'Évangile. On ne trouve pas l'Évangile ailleurs que dans la Bible. Et ce livre-là, il est vraiment unique et merveilleux. Déjà 7 siècles et demi, 750 ans avant que Jésus vienne, le prophète Ésaïe, un des grands prophètes de l'Ancien Testament, avait prophétisé ce fait extraordinaire. Il y a un chapitre sur lequel on va s'arrêter pendant quelques instants, du prophète Ésaïe. C'est un chapitre qu'on retrouve évidemment dans l'Ancien Testament, donc environ 7 siècles et demi avant que Jésus vienne. Et Ésaïe ici prophétise concernant cet aspect vraiment spécial de Jésus qui allait être offert comme un sacrifice pour le péché des coupables. Et dans Ésaïe 53, nous pouvons lire ensemble les versets 6 et le verset 8. Et je vous inviterai à bien noter encore une fois cette même affirmation qu'on a retrouvée dans l'Épître de Pierre tout à l'heure, c'est-à-dire que Jésus a pris nos péchés. Au verset 6, Ésaïe 53, le verset 6, nous lisons « Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. » Et nous pouvons lire également au verset 8, « Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment, et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. » Dans ces deux versets, sur lesquels nous aurons probablement l'occasion de revenir un petit peu plus tard, le prophète a vraiment vu, c'est-à-dire que Dieu lui a révélé quelque chose de bien spécial, c'est que le Fils de Dieu qui allait venir plusieurs siècles plus tard se chargerait des iniquités des coupables. C'est clair et net ici dans ces versets-là, il est dit qu'il a fait retomber sur lui Dieu. Et ça, c'est intéressant car c'est comme l'initiative du Père. Vous savez, une autre grande vérité de l'Évangile qui nous dépasse lorsqu'on lit les Écritures, c'est que Dieu le Père n'a pas épargné son Fils qu'il aimait de toute éternité, mais qu'il l'a livré pour les pécheurs. Et ça encore là, ça nous dépasse. Ça dépasse notre entendement parce que tous ceux qui sont pères, tous ceux qui ont des enfants, sont liés par cet amour filial avec leur enfant. Et jamais il viendrait ou il faudrait qu'un père soit vraiment, dans un certain sens, presque dénaturé, d'offrir son fils pour un vulgaire malfaiteur. Mais la Bible dit que Dieu a tellement aimé l'homme qu'il a créé, malgré son péché, qu'il a envoyé son fils prendre la place du coupable. L'initiative vient du père et le fils a accepté volontairement d'obéir à son père. Ah, parce que lui aussi aime les pécheurs. Vous savez, mes amis, Jésus vous aime. Dieu le Père vous aime. Dieu nous aime. Ça aussi, c'est une grande révélation de l'Écriture. Et il ne nous aime pas d'un amour aveugle. Il nous aime malgré que nous sommes pécheurs. Et parce qu'il nous aime, il a conçu et il a accompli le plus merveilleux de tous les plans de salut. Et c'est ce que la Bible appelle l'Évangile, la bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle, c'est que l'iniquité de nous tous est tombée sur Christ. « Il a été frappé pour les péchés de mon peuple, dit le prophète Ésaïe. Sur la croix du calvaire, Jésus a été frappé de plein fouet par la terrible colère de Dieu. » Jésus n'a pas souffert la mort à cause de ses propres péchés parce qu'il n'a jamais commis de péché. Mais Jésus est mort, il a souffert et il est mort sur la croix à cause de mes péchés, à cause de vos péchés, à cause de nos péchés. Et dans ce verset célèbre du prophète Ésaïe, il est bon de faire attention à un aspect qu'on appelle l'aspect substitution. Peut-être c'est un mot un peu spécial. Le mot substitution veut simplement dire remplacer par un autre. Et vous savez, dans la théologie chrétienne, ça veut dire que Jésus a remplacé le croyant comme coupable de la peine capitale, la mort. Car la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. C'est chacun de nous qui devrions mourir à la croix à cause de nos péchés. Mais Jésus, dans son amour, a voulu prendre la place du pécheur. C'est ce qui ressort clairement des versets d'Ésaïe 53. Considérons quelques autres versets de ce même chapitre. Par exemple, le verset 5, Ésaïe chapitre 53 et le verset 5. Ici, nous lisons, « Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. » Il est dit ici qu'il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, nos péchés, jamais les siens, mais toujours les nôtres, sont passés sur lui. Il a été brisé, il a souffert, il a été châtié,
Il est dit le châtiment qui nous donne la paix. Vous savez, pour avoir la paix avec Dieu, il faut que quelqu'un, quelque part, paie la facture, mes amis. Et si vous n'acceptez pas présentement que Christ a payé la facture de vos péchés, eh bien, un jour, vous allez la payer. C'est ça le terrible jugement. Et vous savez, la Bible parle dans l'Apocalypse de Jésus comme le juge. Il y a un chapitre dans l'Apocalypse où il y a un silence dans le ciel pendant longtemps parce que personne n'est capable d'ouvrir le livre du jugement, sauf le juge. Et vous savez, qui va se lever pour ouvrir ce livre? C'est le Seigneur Jésus, car c'est lui le juge, mes amis. Et n'attendez pas de le rencontrer ce jour-là. Il sera trop tard, car ce sera maintenant un juge qui vous jugera. Mais maintenant, c'est l'agneau de Dieu, comme l'a dit Ésaïe, qui a souffert pour nos péchés. Si vous voulez, on peut revenir dans ce chapitre 53 d'Ésaïe au verset 6, où il est dit ceci, « Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. » L'Éternel, et ça c'est Dieu le Père, a fait retomber sur Jésus l'iniquité de nous tous. À nouveau, Ésaïe mentionne cet aspect de substitution. Dieu a pris mes péchés, vos péchés, et les a mis sur Christ. Quand Jésus est mort sur la croix, sur cette tête juste, sainte et innocente, les péchés de toute l'humanité ont été déposés sur lui. L'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Jésus a été jugé. Il est devenu coupable de mes propres péchés. La Bible dit, lui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous. Il est devenu coupable de toutes mes transgressions et de toutes vos transgressions. Le verset 8 encore dans Ésaïe nous dit ceci, « Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment, et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple? » À nouveau aussi, on retrouve cette grande vérité. Jésus a été frappé pour les péchés du peuple de Dieu. Il a été frappé pour les péchés des autres. Nous pourrions lire encore le verset 11. Il est dit ici, Ésaïe 53, verset 11, « À cause du travail de son âme, il rassasira ses regards. » Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes. Il se chargera de leurs iniquités. À nouveau, nous retrouvons cette belle doctrine de la substitution. Il se chargera de leurs iniquités. Savez-vous, mes amis, qu'il y a 2000 ans, Jésus s'est chargé de votre iniquité, que Jésus s'est chargé de vos péchés. Et encore, on pourrait lire le verset 12. Le dernier verset de ce merveilleux chapitre 53 d'Ésaïe, « C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands, il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes. » Il a porté les péchés de beaucoup d'hommes. En réalité, il a porté les péchés de tous ceux qui ont accepté de se confier en lui. Il a porté leurs péchés. Le résultat de cette œuvre de substitution extraordinaire de Jésus à la croix, mes amis, écoutez bien, c'est l'annulation complète du jugement pour celui ou celle qui se confie en lui. Quand on se confie en Jésus, lorsqu'on le reçoit comme notre sauveur personnel, la Bible dit que tout jugement est enlevé de nous. Ça, c'est la bonne nouvelle de l'Évangile. On pourrait lire ce verset dans l'Évangile de Jean. On a déjà, à quelques reprises, mentionné ce verset au cours d'émissions précédentes. Mais chapitre 5 de l'Évangile de Jean et le verset 24 nous dit ceci. Jean, chapitre 5 et le verset 24. « en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. » Il est dit, il ne vient pas en jugement. Celui qui croit en Jésus comme son sauveur personnel ne sera jamais jugé parce que Jésus a pris son jugement à la croix. Son dossier est entièrement effacé, complètement vierge. L'apôtre Paul dit la même chose dans sa lettre aux Romains, chapitre 8, le verset 1, lorsqu'il dit, on peut même le lire ensemble, Romains, chapitre 8, verset 1, « Il n'y a maintenant aucune condamnation » pour ceux qui sont en Jésus-Christ, c'est-à-dire ceux qui se sont donnés à Jésus-Christ, qui ont reçu le Christ comme Sauveur et Seigneur. Aucune condamnation, aucun jugement, parce que Jésus a souffert et il est mort sur la croix pour tous les croyants. Mais attention, mes amis, attention, c'est sérieux, si vous refusez de donner votre vie à Jésus comme votre Sauveur maintenant, vous le rencontrerez comme votre juge à votre mort. Car vous savez, avec Jésus, comme on l'a dit, on ne s'en sort pas parce qu'il est incontournable. Si vous ne voulez pas de lui maintenant,
comme votre sauveur, vous n'aurez d'autre choix que de lui faire face ce jour-là, alors qu'il sera votre juge. Alors pourquoi, justement, pendant que vous écoutez cette émission, pendant que vous avez entendu la parole de Dieu qui vous dit combien Dieu vous a aimé, qu'il a donné son Fils, qui a souffert l'horrible mort de la croix pour vos péchés, non pas pour les siens, et qu'il a accompli un salut parfait, pourquoi ne pas vous tourner vers lui aujourd'hui et lui donner votre vie? Parce que vous savez, vous avez une décision à prendre face à Jésus. Vous avez une décision à prendre dans cette vie. Dans l'autre vie, vous n'aurez pas le choix de le confronter comme un juge. Mais maintenant, vous avez une décision. Et la question que j'aimerais vous poser maintenant, c'est que ferez-vous de l'incontournable Jésus? La bonne nouvelle pour nous aujourd'hui, c'est que Jésus est venu une première fois pour publier une année de grâce, c'est-à-dire une période de grâce, un jour de salut, tel que nous l'avons dans les Écritures. 2 Corinthiens 6, 2 nous dit « Au temps favorable, j'ai été exaucé. Au jour du salut, j'ai été secouru. Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. » Nous sommes encore dans cette période de grâce. Ce jour du salut où Dieu, dans son amour, appelle tous les hommes à la repentance. Dans le livre des Actes, chapitre 17, verset 30, Dieu nous dit, « Dieu annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils ont à se repentir. » La repentance, c'est plus que le regret de nos péchés. C'est un demi-tour sur soi-même, un 180 degrés sur soi-même, vers le Seigneur, à l'exemple du fils prodigue. Lorsqu'il reconnut son état de péché, il s'est dit, « Je me lèverai et j'irai vers mon Père, et je lui dirai, « Mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. » Il n'en est pas resté avec le regret et encore des bonnes intentions. Il s'est levé, il s'est rendu vers son Père, qui l'a accueilli les bras ouverts. Aujourd'hui, Jésus vous invite, les bras ouverts. Il est prêt à vous pardonner et à vous accueillir tel que vous êtes. C'est le jour de la grâce. C'est le jour du salut. Mais ce jour de grâce et de salut va prendre fin. Selon Luc, chapitre 13, verset 25, c'est une parole du Seigneur qui nous dit « Quand le maître de la maison se sera levé, et aura fermé la porte, et que vous, étant dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous! » Il vous répondra, « Je ne sais qui vous êtes. Retirez-vous de moi, vous tous, ouvriers d'iniquité. » Le jour de la grâce sera chose du passé. Ça sera terminé. Et dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 24 et le verset 37, Jésus de nous rappeler les mêmes vérités. En nous disant, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche et Dieu ferma la porte. Ils ne se doutèrent de rien. Les eaux du déluge les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Seigneur Jésus. Savez-vous que nous sommes très, très près de ce jour du jugement. Comme dans le temps de Noé, la méchanceté des hommes, la cruauté et le péché, sous toutes ses formes, ont atteint un point culminant. Et le monde est mûr pour le jugement. Comme nous l'avons déjà dit, celui qui est venu donner sa vie pour nous sauver sera ce jour-là le juge, le grand juge. Toute bouche sera fermée devant ce juge de l'univers, en ce jour-là, et ils verront les marques dans ses mains, les marques de la croix. Et aussi, ils seront rappelés ainsi que le prix de leur salut a été payé, mais par amour pour le siècle présent ou encore par pure négligence, ils ont passé outre au salut de Dieu. « Je ne vous ai jamais connu, ouvriers d'iniquité. » C'est là qu'il y aura des pleurs et des graissements de dents. Cher ami, pendant que c'est encore le jour de la grâce, le jour du salut, nous aimerions plaider avec vous.
venez à Jésus. Tournez-vous vers lui et dans un esprit de prière, dites, Seigneur, j'implore ton pardon. Toi qui s'es sacrifié pour moi, je veux me réfugier sous le sang de ta croix. Je veux que ma vie soit blanchie par le sang que tu as versé à la croix pour moi. Je suis prête maintenant à t'accepter comme mon sauveur personnel, comme le Seigneur de ma vie. Cher ami, c'est à vous de vous tourner vers le Seigneur et de l'accepter comme votre sauveur personnel. Eh oui, Jésus est vraiment incontournable et comme on l'a entendu aujourd'hui à l'émission, ce serait merveilleux si vous décidiez de le recevoir comme votre sauveur maintenant afin d'éviter de le rencontrer comme juge au jour de votre mort. François, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Salut. Quant à Gaston, je pense que les gens de la région de Gatineau pourront te rencontrer prochainement. Oui, en effet, le 4 mars, je serai là dans un restaurant. À Gatineau, dans le cadre d'un des déjeuners de l'espoir. D'ailleurs, dans un petit instant, on vous donne les coordonnées, comment faire pour savoir où il y aura un déjeuner de l'espoir dans votre région prochainement. Bien voilà, c'est tout pour cette semaine. Nous vous convions à être avec nous la semaine prochaine, même heure, même poste, pour l'heure de la bonne nouvelle. Passez une très bonne semaine. Pour poursuivre votre réflexion, nous vous invitons à un déjeuner de l'espoir organisé à travers la province. Téléphonez au 1-877-LESPOIR, c'est-à-dire 1-877-537-7647, pour connaître les détails concernant l'endroit, la date et l'heure pour votre région. Notez, ces déjeuners ont lieu dans des endroits publics et vous sont offerts gratuitement. Vous aimeriez approfondir les réflexions proposées dans cette émission? L'heure de la bonne nouvelle vous offre gratuitement un exemplaire du Nouveau Testament. Bonne nouvelle aujourd'hui, ainsi que le livre « Si Dieu existe » de Wolfgang Buhl. En plus, un calendrier de réflexion quotidienne. Pour recevoir le tout, écrivez-nous et faites-nous part de vos commentaires. L'heure de la bonne nouvelle, case postale 1054, Sherbrooke, J1H 5L3.